Ciao, ¿qué tal? Ça va? Heute werde ich auf fünf unterschiedlichen Sprachen sprechen. Das sind le français, deutsch, el español, italiano und englisch. Tuve la idea de grabar este video por primera vez hace mucho tiempo, ma non l'ho mai fatto alla fine. Probablement je me suis dit que je ferais ça en 2024, but then never actually got around to doing it. Also ich liebe ganz offensichtlich Sprachen, sonst hätte ich wohl keinen Bock so ein Video aufzunehmen, pero no era siempre así. Cuando era piccolo parlavo solo in inglese. Growing up in the US, it was super easy to only speak English, especially since quasiment tout le monde que je connaissais était anglophone aussi. Meine Eltern, Freunde, Klassenkameraden. E per questo non avevo mai bisogno ni voglia di imparare un'altra lingua, e forse non l'abbia mai fatto. Mi è stato obbligatorio studiare una lingua straniera al liceo, e ho scelto l'espagnolo, pensando che fu la elezione più logica, ya che había muchos hispanohablantes negli Stati Uniti. Ich habe tatsächlich nicht so viel Spanisch in der Hochschule gelernt. En général, aux États-Unis, l'apprentissage de la langue étrangère au lycée, c'est pas. Disons que c'est pas le meilleur. Man lernt einfach nur Worte und Grammatik, aber benutzt sie nicht. Man spricht einfach nie. Und deshalb vergisst man fast alles. Und ich konnte nach 4 Jahren Spanisch in der Hochschule nur ein paar super einfache Dinge sagen, so wie Me gusta la comida mexicana. Yo soy cinco burrito. Pero a pesar de eso, seguí tomando clases del español en la universidad y en mi tercer año fui a España para hacer un semestre extranjero en una ciudad universitaria que se llama Salamanca. Y para los que no lo conocen, es un lugar ideal para un semestre extranjero. Tiene una zona antigua peatonal, calles estrechas hechas de arquines, todo muy precioso y lo más interesante, la dinámica de la comunidad varía entre estudiantes y gente de fuera. Yo, por ejemplo, tenía un grupo diverso de amigos de todas partes, de España, de Perú, Brasil y otros países también. Y sin embargo, nos hablamos siempre en castellano. Y quindi, è stata la prima volta che ho avuto l'opportunità di veramente parlare lo spagnolo, qualcosa che non avevo mai fatto, perché non parlavo mai nella scuola. Prima lo spagnolo era soltanto altro soggetto che studiavo come il matematico e la chimica, all theory and no practice. Aber in Spanien ist es etwas anders geworden, als ich es ähnlich umgesetzt habe. Se convirtió en otra manera, no solo de hablar, sino también pensar, reflejar, soñar, otra forma de ser. And it just blew my mind to suddenly have this new framework of meaning with which to perceive and consider the world. Ich finde so hammer wie nicht zuvor. Und es kam durch diese Erfahrung des Spanischsprechens, dass ich mich in Fremdsprachen verliebt bin. Si no hubiera ido a Salamanca, eso no habría pasado, creo. But that's just the first part of the story. Als ich meinen Auslandssemester abgeschlossen habe, habe ich Spanien verlassen, meine große Europareise zu tun, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben den Salz des großen Teichs fahren und umreisen wollte. En España me había acostumbrado a poder mezclarme porque tenía fluidez con la lengua local y no me creía turista guiri, o sea, turista estadounidense, algo que sí yo era, sino, no sé, casi un local o algo. Pero, bueno, obviamente no era español, pero hablando el español en España me sentía como en casa, con sentido de pertenencia. Mais dès que j'ai quitté l'Espagne, tout a changé. Bah, tout d'un coup, j'avais besoin de parler l'anglais avec tout le monde et je ne pouvais plus m'intégrer avec la langue. Et j'ai constaté que l'expérience était super différente entre comment era en Espagne, hablando espagnol, and how it was when everyone needed to speak English with me, que me hizo sentir mucho más extranjero and showed me the difference that it makes to speak the local language. Et c'était alors que j'ai réalisé que j'avais beaucoup envie d'apprendre des autres langues aussi. Et sérieux, si le temps me le permettait, si j'avais pas besoin de bosser, je passerais tout mon temps à ça, apprendre as many foreign languages as possible. But who would pay me to do that? Otra cosa muy importante de ese verano fue que conocí a un montón de viajeros que hablaban muchos idiomas, que me han convaincu que parler plusieurs langues était tout à fait faisable. Je me souviens d'une femme en particulier qui venait d'Haïti, qui savait 7 ou 8 langues. Elle est arrivée à l'auberge où j'étais à Berlin et en entrant dans la salle, a commencé à discuter avec chaque personne assise à la table dans sa propre langue. Donc l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le. Je sais pas, le. What are other languages? Klingon, Morse Code, Deutsch und so weiter. Und es war so ausdrückend. Ich habe sie gefragt, wie haben sie so viele Fremdsprachen gelernt? Was ist ihr Geheimnis? Wahrscheinlich auf Englisch, weil ich damals kein Deutsch gesprochen habe. Und sie sagt mir, mais c'est vachement facile, j'apprends pour moi-même, je voyage de temps en temps, je regarde des films de langue étrangère, et je parle avec mes amis des autres pays. Tu pourrais faire ça aussi, si tu voulais. Ça, c'est pas du tout l'accent d'Haïti. Mais oui, donc j'ai décidé d'essayer.
Donc, dopo dell'estate dovevo ritornare negli Stati Uniti per l'ultimo anno nell'università, ma ho deciso di tentare di imparare un'altra lingua. E ho scelto l'italiano pensando che fosse più facile dato la somiglianza con lo spagnolo. Sapevo che avrei bisogno di sentire la lingua per conoscerla, allora ho cercato e scaricato molti podcast e cose della radio in italiana sull'internet e li ascoltavo tutto il tempo. Già conoscendo lo spagnolo, la grammatica e le parole non erano troppo difficili da imparare, li studiavo tutti da solo, eppure c'era una mensa delle lingue straniere nelle mie università dove c'erano tavoli di tutte le lingue che si potevano studiare, come il cinese, il tedesco, lo spagnolo, il francese. E ogni mercoledì, ma soltanto il mercoledì, c'era un tavolo d'italiano. Allora andavo ogni settimana per parlare l'italiano e mangiare il pranzo. Ma dopo di quella parte della mia vita non ho fatto di più con l'italiano. Sono andato in Italia per viaggiare una volta per 2 settimane, ma non parlo mai questi giorni. Infatti, non... Oh, infatti 2 settimane fa ho incontrato un gruppo di italiani in un parcheggio nazionale vicino a dove vivo e abbiamo conversato un po', ma quella è stata la prima volta che avevo parlato l'italiano da forse 2 o 3 anni. Ma mi piace ancora. D'ailleurs, je parle un petit peu mieux le français car j'ai eu beaucoup plus d'opportunités pour le pratiquer et le parler. Le français m'intéressait depuis que j'ai entendu mes profs français parler entre eux en Espagne et je pensais que ça serait très chouette de connaître la langue aussi. J'ai appliqué la même méthode pour apprendre l'italien. J'ai cherché et téléchargé des podcasts et des émissions de la radio française sur Internet. Je les écoutais très souvent en même temps que je prenais le vocabulaire et la grammaire par moi-même. Et ainsi, j'allais très souvent dans la cafétéria de la radio pour pratiquer. Mais ça, ce n'est pas que la moitié du travail. J'ai cherché les étudiants français qui étaient en échange dans mon université, j'ai demandé de l'aide et on a commencé de faire des échanges de langues. Je les ai aidés avec l'anglais et m'ont enseigné vachement de choses sur le français. Les deux étaient très sympas et patients avec moi, notamment au début quand je pouvais à peine prononcer les mots. Et c'était vraiment grâce à eux que je suis resté motivé dans les premiers mois de l'apprentissage. Donc merci beaucoup Clara et Florian. J'ai jamais vécu en France, mais je fais toujours un effort de trouver et de traîner avec des francophones de chaque endroit où j'habite ou voyage. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait un petit road trip avec un ami français que j'avais fait. On a roulé ensemble pendant 3 semaines dans un camping-car, je crois. 3, 4 semaines. Ah ouais, ce mec, il vient de la Sarthe et il dit des choses très bizarres. Comme par exemple, si on mangeait quelque chose de bon, il disait toujours ça fait mieux qu'un coup de pied dans le cul. Et bon, le français m'a permis de faire des amitiés comme ça que j'aurais pas fait autrement. Und warum Deutsch? Viele glauben die Klischees, dass es eine sehr hässliche und harte Sprache ist. Und früher war ich auch so, denn man hört die Sprache nicht, wo ich als Kind gewohnt habe und ich kannte sie nur aus amerikanischen Filmen über den Zweiten Weltkrieg. Aber im Sommer nach meinem Auslandssemester bin ich eine Weile mit einem deutschen Mädel zusammengereist. Und sie war die erste Deutschsprachige, die ich in meinem Leben richtig kennengelernt habe und hat mich überzeugt, meine Meinung zu ändern, dass ich gehört habe, wie das gesprochene Deutsch wirklich klingt. Ein Jahr später, als ich wieder in Spanien war, dieses Mal wie englischsprachige Hilfsassistent in einer Schule, habe ich alle Freunde aus Österreich und Deutschland gemacht. Ich hatte damals auch Lust, eine neue Sprache zu lernen und deshalb habe ich mir gesagt, ich lerne doch mal Deutsch. Doch, ja, wie sonst auch, habe ich Podcasts und Lernmaterialien aus dem Internet benutzt, um die Grammatik und Vokabeln zu lernen und dann mit meinen Kumpels rumgehangen, um zu üben. Ich bin überaus dankbar für Sie, dass Sie sich mit mir so viel gesprochen und untergehalten haben, besonders als ich angefangen war. Und ja, vielen Dank, Alberto und Katharina. Ich bin ein bisschen in der Schweiz, Österreich und Deutschland schon mal gereist, aber ich habe in einem deutschsprachigen Land noch nie gewohnt. Vielleicht einen Tag. Auf jeden Fall versuche ich, die Sprachen so oft wie möglich zu verwenden. Das ist leider nicht so offen in diesem Moment, weil ich in einer kleinen Stadt im Mittel des USA bin. Aber ich weiß, auf der nächsten internationalen Reise werden mir sicherlich einige Deutschen über den Weg laufen, damit ich quatschen und reden kann, weil die Deutschen überall reisen. Ja, pues sí, voilà mon histoire. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst dich abonnieren, wenn du willst, para saber cuando subo más videos. Peut-être que j'en ferai de plus pour partager des Tipps zum Sprachenlernen oder was. Und ja, thanks a lot for watching. See you later. Hasta luego, a biento, ciao, arrivederci, auf Wiedersehen. Tschüss.